this is another DJ Crispy. Tu es venu faire chez moi? Tu n'es plus venu m'engueuler? C'est pas possible ça. Quelle éducation tu as donné à ton fils? Je veux d'abord que tu me répondes. Pourquoi la maison est dans cet état? Et alors? Je peux supporter que tu ne fasses pas le ménage. Je peux supporter même que tu ne repasses pas mes vêtements. Mais ce que je ne supporte pas, c'est que tu me trompes et à ciel ouvert. Gomikai! 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 Tu sais que c'est toi seul que j'aime et que je ne peux jamais faire ma vie sans toi. Chérie, reviens-moi, je t'en supplie. Chérie, je voulais te remercier. Merci beaucoup pour les vacances que tu nous as offertes. Et je me suis vraiment amusée. Écoute chérie, je suis très heureux de savoir que ça t'a plu. La petite aussi, n'est-ce pas? Oui maman. Ça j'ai pu le constater. Chauffeur, tu vas nous déposer à l'entrée Maquette de BM, ok? D'accord patron. Maquette de BM. Mais chérie, on ne va pas à la maison. Si, chérie. En fait, je t'ai réservé une surprise. Une surprise? Et c'est quoi? Écoute, chérie, prends ton mal en patience. D'accord? Ok. Dis-moi, où sont passées ta caméra? Je ne les ai pas vues. Ils sont toujours en retard. De toutes les façons, comme tu viens de me donner l'adresse, je vais les envoyer ça par Ayuba. Ils vont nous rejoindre. D'accord. J'espère au moins que cette fois ils ne seront pas en retard. Ah, c'est leur problème. Et s'ils peuvent même, je vais leur demander de venir avec la famille. Allez, ma puce, un petit bisou pour papa. Nous sommes au pays, d'accord?
Bienvenue. It's Canal on the beat. Cette fête était une réussite. Ta tante a vraiment le don pour organiser les choses. J'ai vraiment apprécié. Ah ça, ma tante ne fait pas dans la dentelle. Hein? Même sa fille qui fait souvent la difficile. Là. Je l'ai vue sourire lors de la coupure du gâteau. Ah ça. Mais ton pote Roger, j'espère qu'il ne blague pas avec ma copine Olive. Il lui a dit qu'il avait signé polygamie. Polygamie, hein? Je ne savais pas qu'elle était aussi naïve. Roger est marié et je ne crois pas qu'il voudra quelque chose de sérieux avec elle. Mais Tchakounte, moi aussi j'étais ta maîtresse, non? Mais regarde-nous aujourd'hui, nous sommes presque mariés. Tu as bien dit presque, ce n'est pas encore officialisé. Tu veux dire quoi par là? Je te dérange, toi aussi. Bon. Tu dis même que tu viens voir ma famille quand? Ça fait presque 5 ans de concubinage et tu ne dis toujours rien. Je suis en retard pour le boulot. On en parle ce soir. Voilà. Comme à chaque fois que j'évoque le sujet, hop, tu prends la fuite. On en reparle, promis. Tiens, fais-toi plaisir avec. Tu aimes trop me flatter, toi. Bienvenue dans notre nouvelle maison. Ah, maman, ça va. Votre nouvelle maison. Je ne vais pas aller là-dessus. Mon cousin n'est tout de même pas n'importe qui. Enfin, une maison qui mérite le statut de mon frère et cousin. Mais chérie, pourquoi est-ce que tu as pris une nouvelle maison sans maintenir? C'était justement la surprise que je te réservais. Tu n'aimes pas? Si. Elle est jolie. Mais j'aimais beaucoup notre ancienne maison. Et tu as fait comment pour l'aménagement? Oh, j'ai payé les gens pour le faire. Anne, tu as la nouvelle maison? Oui, j'aime beaucoup. Super. Bien, voilà. Désormais, c'est ici qu'on vivra tous. J'ai tenu à ce que tout soit parfait avant notre arrivée. Et il y a même déjà ma photo? Oui, j'ai tenu à ce qu'elle soit là. Qu'elle y reste et que personne ne la dépêche jamais. Ah. Ok. Je vais essayer, mais vous vous comptez. Vous respectez les bains, ou bains.